Cristiano. On est devant le match. Devant le meilleur stade. Très clairement. Allez, c'est parti. Ah! Bon, bah on est dans un désavantage fameux. Mais bah les couilles. Allez. Arion, Ricardo, JP, Wanli, Sam Cook. Attends, Arion, Ricardo, JP... Oh putain, je vais devoir mettre JP. Alors, ouais, Wanli, je crois que c'est tout, je crois que c'est bon. 33. Bon, je suppose que Sam Cook, je suis obligé de le mettre dans les cages. Bah oui, au revoir Nirvana, au revoir mon meilleur gardien. JP, bah oui, bien sûr, JP en milieu de terrain, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais par contre, je ne sors pas Gabi. Bon, bah JP en milieu de terrain, certes. C'est pas grave. Pourquoi je devais mettre Ricardo sur le terrain? Les deux équipes ont titularisé leurs meilleurs éléments. Les joueurs sont prêts. Le coup d'envoi va être donné. Bonne chance, Arion. Allez, c'est parti. On va leur péter le cul. Bon, c'était niveau 34 finalement. Bon. Voyons voir. Ah oui, salut, Hocus et Pocus Sésame. En vrai, ça va, c'est pas non plus des. Il devrait pas être trop compliqué en vrai. Allez, on y croit, on y croit. En plus, le stade flipper, c'est le meilleur stade, donc... Le stade flipper, ça reste le meilleur stade, donc... Après, pour répondre pour les... Pour répondre pour les apostrophes, au final, il n'y a que sur 2-3 scènes où, ça, où elles apparaissent. Donc, oula, j'ai fait quoi, là? Oui, des fois, il faut que l'émulateur se mette en route pour que ça marche bien. Donc voilà, au final, c'est pas un drame non plus. Mais c'est vrai que c'est chiant, ça, c'est perturbant en fait. Regardez bien le ballon et tada! Disparition du ballon! L'entame de ce match est plutôt inhabituelle puisqu'Aucus Sésame envoie le ballon dans un endroit tout à fait découvert. Putain, c'est vrai que le stade il est génial. J'en connais un qui ne suivait pas. Pocus Sésame est sorti de nulle part et réceptionne le ballon. Est-ce l'insigne de la maîtrise du jeu du collège des Mirages? Est-ce que c'est vraiment de la maîtrise? Bah oui, là par contre il a le droit pour le coup. Hé, que j'arrête quoi? Ah, mais où est passé le ballon? C'est incroyable, le ballon était dans les pieds de Sésame, mais il semble avoir disparu. Quelqu'un en régie peut-il lancer un ralenti? Ah, n'oublie pas que les magiciens ne révèlent jamais leurs secrets. Le ballon est réapparu. C'est comme si Aucus Sésame l'avait sorti de sa manche. S'il l'a sorti de sa manche, c'est qu'il y a faute, hein. Par contre. Rebasketix. Ils veulent nous déstabiliser, on aurait dû s'y attendre, ils appellent les magiciens. Après tout, Ricardo, fais bien attention à toi. Guidarion, ballon au pied. Bon, t'inquiète. Tire de défense, canon. On peut considérer que c'est l'institut occulte de Go. C'est l'évolution de l'institut occulte. Bon bah JP va peut-être être utile. Hé hé. Arion. Arion. Mais Arion. J'étais pas sur 2K22 tout à l'heure. J'ai fait du 2K22 hier. Pour Money in the Bank, justement. Oula, d'ailleurs, est-ce que t'as vu Money in the Bank, Basketix? Arion. Sérieusement? Tu me le dribbles, là hein? Dribble Zephyr V2! Allez, Raymond! Allez, Raymond! Eh merde, Harold Houdini a le ballon! Houdini a récupéré le ballon, faites attention à lui! Oh non! Peu importe que votre défense soit forte ou pas, rien ne peut arrêter mon tire-feu follet! Je crois qu'il l'a même pas dans le 1.
Firefly. À toi de jouer, Wanli. Utilise le mur de l'Atlantide. Tu me vois? Tu me vois plus. Aïe. Et c'est le but, mesdames, messieurs. Bon appétit, BasketX. J'ai échoué. Qu'y a-t-il? Tu as besoin de continuer de la main en défense aussi? Shang-Chen doit être aussi solide que le mur lui-même. S'il a la moindre parcelle de doute, il s'effondrera. Le pauvre. Heureuse à nous. Écoutez-moi tous, analysez le terrain, utilisez tout ce que vous pourrez nous donner un avantage. Repérez le placement des adversaires ainsi que l'angle et la vitesse du ballon. Si vous ne laissez rien passer, on finira par marquer. Marquez un but. C'est une phase guidée de marquer un but. Attends. Quoi? Comment ça marquer un but? Mais depuis quand c'est une phase guidée de marquer? Quoi? C'est parce que Genshin est une... C'est un jeu qui t'aspire ton âme. Est-ce qu'il y a déjà autre dimension, Lucien, là? Je pense pas. Comme League of Legends. C'est vrai. Salut, Maybe, comment ça va? Lucien. J'en étais sûr, c'était sûr. Ok, sorry. Oh, non, je vois les trucs, je vois les trucs. Je le vois, ça. Allez. Death drop. Ça va nickel. Oui. Je vous jure que j'ai eu peur de me le prendre dans la gueule. On a réussi, on peut renverser ce match. Ce n'est qu'un petit but, pas de quoi faire tout un numéro. Ils gardent espoir, ils n'ont pas encore compris que ce match va virer au cauchemar pour eux. Le spectacle ne fait que commencer, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Je veux une domination claire en fin de première période, faites-leur regretter d'être venu. Et au cas où je n'aurais pas été clair, souvenez-vous de ceci. Si vous perdez, n'espérez pas jouer au football de sitôt. Le football, il a changé. Vas-y, Riri! Vas-y, Ricardo! Ah oui, merde, il a l'esprit guerrier. Laissez tomber, ça sert à rien, il a l'esprit guerrier. Il va juste vous casser la gueule, mais c'est sûr. Vas-y, Wanli! Quoi? Ma grande muraille ne passe pas. Ok, vas-y. Non. C'est pas grave, on s'en fout, c'est une phase guidée. Coup de tête, fusée, boum. Oui. Très dangereux. Il est où Ricardo? Attends, il est où ce connard? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il branle là-bas? Bah tire si tu veux, mais ça sert à rien. Ok, je viens de me prendre un énorme truc dans la gueule. Vas-y, Arion! Oui! Sprint tourbillon! Allez, Arion, tu récupères le ballon et tu les dégages! C'est bien, mon cocon! Kiri! Vas-y, Ricardo! Passe le ballon à Michel, à Arion, Sherwind!
Allez Raymond, on ne va quand même pas se laisser impressionner par des tours reculés et des décisions grotesques. Le coup du chapeau. Oui. Et c'est un tacteur d'agressif, Harold. Tu as fait exprès de lui faucher les jambes. Je dois gagner. On doit gagner. Pour sauver le football. Tu te trompes, tu n'es plus le Harold que je connaissais. Dans ce cas, qui crois-tu que je sois? Il n'existe qu'un seul Harold Houdini. Harold, one me. Ah. Ah. Je suis obligé de laisser Sam Gook encore là. Pourquoi Pégase? Pourquoi Pégase? Quelle mauvaise idée! Mais pourquoi j'ai cliqué? Mais pourquoi j'ai cliqué? Mais c'est la pire idée! Mais c'est la pire idée! C'est pas la pire idée. Vas-y Arion, fauche-lui les jambes. Ah, éclair de Pégase. Vas-y Ricardo, montre que tu es le plus beau et le plus grand joueur de football de cette génération. Continue. Vas-y Arion, tu es beau, tu es grand, éclair de Pégase dans ta gueule. Ricardo. Ah. Vas-y. Le deuxième but, il est pour moi, il est comme ça, Harmonix. But, le collège des mirages se prend un deuxième goal de la part du capitaine Ricardo Dirigo et j'ai pas le droit de passer parce que c'est mal fait. Mais bon, harmonie atomique est une magnifique technique donc c'est pas grave si on la revoit plusieurs fois. Écoute, est-ce que t'as déjà demandé à un abruti s'il pouvait prendre quelque chose? Eh bien écoute, l'IA de ce jeu n'est pas... Tu parles de ce Miximax Fab. Je connais, oui. Ok, bruit illusoire. Très bien, écoute. Perte et pété, je m'en bats les couilles. Allez, c'est la mi-temps. Regardez bien, nous sommes derrière vous, mais bientôt. Pouf! On change rien à côté de creuser l'écart. Coach, est-ce que vous avez un plan pour la seconde mi-temps? On va changer de gardien. Anne, tu vas jouer à notre poste, je veux te voir au plus près de l'action. Un gardien devrait réussir à avoir le terrain dans sa globalité, anticiper les pièges du flipper. Tes talents seront utiles pour guider les autres. Entièrement d'accord, mais qui va le remplacer dans le but? Ah, Victor Okita, il est génial. Hein. Lapin avant filer les gants. Moi? Tu en es tout à fait capable, c'est aussi ton avis, Anne, n'est-ce pas? Exactement, j'ai entièrement confiance en toi. Ne t'inquiète pas, utilise tes soins incroyables, ne quitte pas le ballon des yeux et tout ira bien. Que fait Wanley? Comment Harold peut-il agir ainsi? Lorsqu'on était à l'école, il détestait les brutes. Ah, voilà Nicolas Sarkozy. Wanley, je crois que tu es capable d'apaiser son esprit. Ses nerfs sont mis à rude épreuve, exactement comme à l'époque. Il t'a dit qu'il ne voulait plus te garder parce que tu nuisais à sa réputation, pas vrai? Ce n'était pas la vraie raison. Il combat ses démons pour te protéger. Tu te souviens du jour où il est venu te sauver de ses brutes? Eh bien, à partir de ce moment, c'est à lui qu'ils s'en sont pris. Harold ne voulait pas t'en parler de peur qu'il s'en prenne à nouveau à toi. C'est la raison pour laquelle il a pris ses distances. Tu racontes n'importe quoi! Il ne t'a jamais parlé pour que tu ne te sentes pas coupable. Mais quand je vous vois tous les deux faire tant d'efforts sur le terrain. Alors il a s'il a arrêté de me parler, c'est juste pour me protéger? Au fond de lui, il doit se rendre compte que la façon dont il a joué aujourd'hui est inacceptable. Wanley, tu dois l'aider! Désolé, on ne voulait pas vous espionner. Tu dois aller lui parler, c'est la seule façon de régler cette histoire une fois pour toutes. Mais s'il refuse de m'écouter, bien montre-lui par le football. Vous partagez tous les deux cette passion. Résiste-lui et prouve-lui qu'il se trompe. Que je lui résiste? Qu'il prouve que tu existes. Et du coup, je vais mettre Sam Gook en milieu de terrain. Très bien.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un gars sans expérience pour protéger leur but? Eh, c'est comme ils veulent. Notre jeune assistant placé devant la ligne de but va maintenant regarder le ballon disparaître. Oh oui, c'est parti. Le duel Maestro contre Zani. Et pas Zanou, attention. Je suis le tout puissant, mais oui, mais oui. La meilleure technique. Mais Millennium, tu peux. Hippomiste. Non mais tu fais 10 pistes sur Gabi, sérieusement. Tu utilises sa propre technique contre lui. Et il tire. Oh la vache, celle-là, elle est pour moi. Tu peux y arriver, JP, fais confiance à ton instinct. Comme si tu étais défenseur, tu réussiras à l'arrêter. Wouhou. Il a dévié le ballon, et bah c'est demi-portion, une de ses détentes. C'est un coup de chance, on va voir s'il est capable de renouveler l'espoir face à mon tir feu follet. Je sais maintenant pourquoi on t'appelle le buteur impassible. Quand il y a des problèmes, tu préfères les affronter seul pour épargner les autres. C'est pour ça que tu ne montres jamais tes émotions. On a assez plaisanté, Raymond, prenez ça. Tire feu follet, pouploum. Vas-y. C'est la douleur que tu ressens qui alimente tes attaques, mais c'est fini. Je vais arrêter ton tir et délivrer de ta souffrance. Ah, mur de l'Atlantique. Bon, excusez-moi, je suis un peu trop bon. Le mur de l'Atlantide est vraiment incroyable. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous battre contre le 5e secteur? Vous savez que vous finirez tous sur la touche. Le football n'appartient pas au 5e secteur. Ce n'est pas moi qui suis à côté de la plaque, Harold. C'est toi. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu me défendais. Et c'est grâce à toi. Elle est horrible. Que je suis là aujourd'hui. Quoi? Si tu t'es éloigné de moi, c'est uniquement pour me protéger. Tu ne voulais pas que ces brutes continuent de me persécuter. Qui t'a raconté ça? C'est grâce à toi que je me sentais assez fort pour aller à l'école le matin. C'est toi qui m'as soulagé de ce poids. Tu as toujours affronté tes peurs avec courage et tu as tenu tête aux oppresseurs. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On s'oppose au 5e secteur pour protéger le football contre ceux qui veulent le maltraiter. Je vois. Je vois. Non, 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 non. Pourquoi j'ai pas fait... Mais pourquoi j'ai pas fait une Atlantis Wall? Non mais ça par contre c'est pas gentil, Zanou. Ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil, Zanou. Je suis dans la merde, je suis dans la giga sauce. Je suis dans la giga merde. Il a pas de technique, ton JP! Boum! Attends. C'était sûr. Merde, j'ai pas sorti Musashi! Musashi, le samouraï vaillant! Bon bah... Très utile, Musashi, hein. Je savais qu'il allait se faire baiser. Mais depuis quand, lui, la danse des halls? C'est quoi, ça? Vas-y, Ricardo! Il est où? Fils de... Mais Millennium, qu'est-ce que tu branles là-bas? Mais putain, Millennium, qu'est-ce que... L'arrêt tout puissant est plus meilleur. Non. Millennium, tu casses les couilles! Fin du boomerang! Putain.
Yoma, va chercher ce ballon, putain! Va chercher ce ballon! Le coup du samouraï! Je m'en fous si ça rentrait ou non. Je devais juste gagner du temps. Récupère ce ballon, Lucien! Ils ne peuvent pas marquer, il reste une minute. Ricardo, tu peux sauver la mi-temps. Oui, oui, c'est ça! C'est ça, Riri! C'est ça, Riri! Tu les baisses tous! Tu les baisses tous, Ricardo! Tu les baisses tous! Oui, Riri! Oui! Oui? Aïe 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 aïe, le lot que je voulais me faire, oh non. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que un pit boss à 15 balles, je vais pas dire non. On m'avait prédit de la tristesse. Eh oui. Eh bien, c'était pas vraiment compliqué. Merci, merci. Joli match. Maillot, tour de magie, parfait. Alors, vous avez vu clair dans notre jeu. Harold, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que t'as déjà léché ? Pourquoi m'avoir protégé à l'école primaire ? Pourquoi ? Mais parce que tu étais mon ami, le premier ami que j'ai jamais eu. Dis, tu veux être mon ami ? On pourra jouer au foot ensemble. Oh, c'est mignon. Harold ? J'ai eu tort. Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main. Bonne chance avec la rébellion. Merci, Harold. On va trouver un moyen de sauver le vrai football, c'est promis. D'ici là, continue de t'entraîner. Un jour, on sera au sommet. Promets-moi que je t'y retrouverai. Compte sur moi.